Bonjour à tous et à toutes, je suis Arius et bienvenue pour l'épisode 2, le début de l'épisode 2 de Apo Justice Ace Attorney, ou l'inverse comme vous le voulez. La dernière fois, l'épisode 1 qui nous a permis d'apprendre énormément de choses sur notamment le passé de Phoenix Wright, notre nouveau personnage, à savoir Apo Justice. Énormément de choses, notamment sur le système de procès, qui est très intéressant, il y a eu beaucoup plus de features. Et le pouvoir, j'ai envie de dire, de notre personnage, à savoir l'œil pour détecter les tics, pour savoir si les personnages mentent ou non. Il y a un truc que j'ai fait par rapport à l'émulation, c'est le framerate et la vitesse. Normalement, si tout va bien, vous voyez que ça va un poil plus vite. J'espère que ça ne va pas trop se ressentir sur la musique, parce que sinon ça va me poser énormément de problèmes. J'y crois. Commençons l'épisode 2, le boulevard des volte-face. C'est parti. Il y a déjà énormément de choses juste sur cette introduction. Énormément, énormément d'informations à prendre en compte. J'espère que le scénario de cet épisode va être énorme. Donc, Apollo, il y a 2 mois, notre mentor, Monsieur Gavin, a été arrêté pour meurtre. Je vous invite à aller voir le premier épisode dessus et 2 parties d'épisode dessus. Et nous avons été recrutés par Monsieur Phoenix Wright, donc dans son cabinet d'avocat. Métier qu'il n'exerce hélas plus. Et c'est le bordel, dis donc. Il a changé ce cabinet. Alors déjà au niveau du son, il voit qu'il n'y a pas trop de problèmes. Au pire si. Ouais, le son va bien, il n'est pas trop rapide. Sinon, bah comme d'hab, je ferai en sorte que le son colle à l'image au montage. Que ce soit plus agréable pour vous, que vous ayez pas cette impression que il y a un truc qui va plus vite que l'autre. Alors la fille de Phoenix Wright, qui est donc Vérité Wright, qui nous a aidé d'une manière peu ordinaire. Alors oui, je sais le nom de cette personne, je me suis un peu renseigné sur le jeu et sur les personnages. Alors, d'accord, très bien, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Faut que quoi? Que je... Ah, t'es comme ça? D'accord. Ouais, ok. Oui, bah, non. Non, en fait. Ok. T'as l'impression que être avocat c'est pour faire rire le peuple? T'es marrant toi. Bah non, c'est pas le cabinet, tu vas me sortir, hein? Agence artistique, oui, c'est pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie? Pourquoi Phoenix Wright a fait une chose pareille? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah, c'est bon. Là, oui, on comprend que c'est la fille. Wow. Prospectus. Je m'appelle Apollo. Le Polo. Alors, sujet de discussion. Discutons.
Alors dis-moi, l'agence artistique, c'est que je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? D'accord. Ah oui, carrément. Waouh. Oh, bah c'est pas mal. C'est déjà pas mal. C'est bien. Et payer quand on est... Bah, quand... Pour ce que tu fais. Extraordinaire. Tout le monde est extraordinaire, en fait. Ouais, c'est déjà ça. C'est quelque chose. À son âge, beaucoup d'entrain. J'estime qu'il est encore mineur. Parce que, ouais. Quand même. Mmh. 15 ans. Mais tu dis quoi? Ah ouais, va falloir quoi? Alors oui, très bien. Non mais vous savez, dans notre monde, les parents sont de plus en plus jeunes. Ah bah oui, ce fameux accident, cet accident, un accident accidentel, hein, évidemment. Je sais pas quel âge t'avais, t'avais 7, 8 ans, si je calcule rapide. Ah. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Mais pourquoi donc? Et bah que, oui, allons à l'hôpital. Chambouseux. Non, pas de jeu de mots, je trouve pas. Daycare. Ouais, il y a plein de choses ici. Monsieur, vous êtes chambouseux. Alors, il me fait penser à juste. Je crois que c'est dans l'épisode 2 ou 3. 3, il me semble. Réutilisation, oui, dans l'épisode 3, je crois que c'était la deuxième affaire. Me semble-t-il que c'était la deuxième affaire. Ouais. Ce fameux personnage, hein. Délicieux. Et bah alors qu'est-ce qui t'arrive mon petit? Pourquoi tu es là? Alors du coup, on va examiner un petit peu cette chambre. Genre cette énorme pile de... Putain, DVD. Ah, je connais, c'est un petit peu comme les Power Rangers de chez nous. La gamine, wink wink, clin d'œil. Elle est surtout passionnée. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du border, on a un petit piano. C'est mignon. C'est bien, c'est une bonne chose. Non, garde tes talents. Mais bah tant pis. Bon, y a rien d'autre d'intéressant. Non, reviens. Alors, discute un petit peu de pourquoi tu es là. Sérieux? Eh ben, dis donc. Ah ouais. Eh ben, dis donc. C'est tout. Cet homme a vraiment de la luck. Que de la luck, cet homme. Alors, vérité. Oui.
c'est un petit peu c'est dans, bah c'est, voilà quoi, elle te fait une, elle fait une tête de moi, mais encore quoi. Elle est trop jeune quoi, enfin tu es trop jeune pour avoir une gamine. En quoi donc? Un génie genre spécial. Ce serait beaucoup plus simple. Bon, l'agence, tu peux me dire pourquoi c'est une agence artistique? Tu comprends pas. Je ne sais même pas le coup de fil que j'ai eu. À l'aide, on a le cabinet des ennuis. Bah c'est triste. C'est triste, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bah et alors? Alors déjà je m'appelle pas Polo. Travailler. Ah oui, un client. Parfait, c'est qui? C'est quoi? C'est où? Moi je vais bien. Alors, c'est pas drôle. Oui c'est ça, Moulin. Alors, qu'est-ce c'est quoi le client? D'accord. C'est une très belle carte. Ok, 9h. Ouais, sud. Ouest, sud-ouest. Nord. Est, ouest, nord-est. Ouais. Et là, paf! La voiture. Tu l'as plutôt bien vécu d'ailleurs. Bah, flippance, oui. Par là, là-bas. On m'a mis une petite indication 5 mètres qui est peut-être utile. Je sais pas. Ah, chute. Ah, on est d'accord. Trouve. Ok, comme ça. Et tu vas me payer. Tu vas me payer, j'en suis certain. Ok, je. Ah, c'était le LOLs, MDR. Bah, c'est pas drôle. La fameuse agence artistique. Et bah, un go. Ouais, j'y penserai. Ouais, j'y penserai. Alors, c'était sur la croix à l'entrée sud du parc communal. Ok. Et bah, allons-y. Yeah, j'ai un plan. Trop bien. Et bah cassons-nous à l'agence artistique. Oui. Oui. Qui? Que? Quoi? Où? Waouh. Des vieux. Mais qui est donc cette personne? Je m'appelle pas Polo. Ouais. Bah toi aussi. Je crois. Mais je m'appelle pas Polo, merde. Défense, bah oui. Ah bon? Quoi? Comment? Un stand de nouilles? C'est vrai que... Monsieur Eldoun. Alors, je vais faire un aparté. Il me semble que dans un des mangas Ace Attorney, que je vous recommande, qui sont très bien, dans une des affaires inédites d'ailleurs, il est mention de ce personnage.
ou bien je me trompe. Comme quoi il fait un plat de ramen incroyablement super trop bon, mais il n'en fait que deux par jour. Ce sont d'ailleurs des mangas que je cherche parce que a priori ils ne sont plus publiés. Les nandons, les nouilles, oui, les nouilles d'Eldon. Waouh. D'Eldon. Ouais. Alors, un petit air d'harmonica. Alors, discutons. Déjà, discutons. Qui es-tu, que quoi, que comment, que quoi, que qui d'ailleurs? Gueldon. Ça me fait penser à Guillermo, mais c'est pas pareil. Ça fait beaucoup. Quand même. Ouais. Mijote, nouilles, bouillon, lol, MDR. Trop des barres. Mets un pouce bleu si tu as rigolé. C'est pour référencement MDR. Si tu le dis. C'est ton test. Oui, si tu veux. Wow! Tu vois, wow, ouais, c'est énorme. Du coup, est-ce qu'on peut les goûter? Parce que j'ai faim maintenant. Ah, mais non, en fait, pas du tout. Oh, le sel. Ouais, le sel. Alors, ça, j'en ai pas à souvenir. Je m'en souviens absolument pas. Ah bah, vas-y. Quoi? Voler un stand? Pas mal. Pas mal, pas mal, hein, j'avoue que... Très fort. Hier soir. Tournée. Ok, harmonica. Ok, quel rapport? Ouais. Yes. Tracé, il est député. Un niveau 1, ah, sans doute. Le vol. Est-ce que tu as mis un cadenas? Au moins. On n'y pense jamais. On t'a donc volé des dans un stand de Loï. Bonne chasse, quoi. C'est tout, c'est tout. Ah mais oui, je vais le retrouver. J'ai... Oui. Oui, tout à fait. Ok. Ouais, allez, déjà. Alors, tu habites là. Ok. Mais je te crois. Ouais. L'accident de la route et les voleurs de stand. Oui. Ah voilà, ben moi qui plus que ça, vas-y, qu'est-ce que t'as perdu toi? Oh mais je suspense. Il y a du suspense, vas-y dis-moi tout. J'ai perdu un truc, oui. T'as volé un truc, oh mon dieu, tu voles. Un trafic de coups. Bon bah, je crois que je vais arrêter là, hein. Je vais. Ouais. Allez, moi je me casse, hein. Salut, c'était un super épisode. Allez, je m'en vais. Évidemment, je vais pas le faire. Calmez-vous. Calmez-vous, s'il vous plaît. Évidemment, je vais pas le faire. Oh. Je sais pas, là. C'est une chute. Oui. Ouais. D'accord. Ouais. C'était un coup.
incroyablement stupide. Non, sans lec. Tu es perdu, Waouh. Dis-moi, t'en as pas d'autres d'rechange par hasard, sinon c'est dégueulasse. Ok. Grosse carte. Trop de croix. Il y a trop de croix, je sais pas où aller. Oscur. Oscur, aidez-moi. Je suis partout là. Je sais pas où je suis. Je sais pas où je dois aller. Il en était au chômage et là on a trois affaires. Ouais, enfin, une et demie. Et encore. Alors. Vas-y, dis-moi tout. Alors, le premier point, c'est l'accident de délit de fuite. Ok. Et on va rien à gagner. Ensuite, on a retrouvé un stand volé. Ok. Pas mal de nouilles. C'est déjà ça. Et ton problème de cul. Qu'est-ce que... J'ai faim. Voilà. Oui, au travail. Yeah. Ah bah oui, on a que ça à faire. Allez, suite au stand. Et des culottes. Oh là là, la culotte. Bon bah, allons. Allons déjà sur la scène de l'action. Alors, c'était là, je pense. Mm-hmm. Grosse maison, grosse résidence. Une dame. Eh ben, on va lui poser la question. Et il y a un parc. Eh ben... Grosse maison, hein, c'est... Waouh. Je te le dis. Je sais pas ce que c'est. Ah Mais je m'en fous. J'en ai rien à faire. Du coup, oui. Alors. Je ne suis pas un homme, je suis une lopette. Je suis sûr qu'il y a un jeu de mots, mais je le comprends pas. Petit ange. D'accord. Très bien. Donc, madame... attends, déjà, on va examiner. Parce que je... C'est une superbe bâtisse. Très belle, sans doute époque de l'ère Edo après. Enfin, ouais, autour de cela, ouais. D'accord. Mais c'est de la justice. T'es marrant. C'est très marrant, dis donc. Là, bon. Voilà, j'avoue qu'il y a de la peinture. Et beaucoup trop de peinture d'ailleurs. Ah bah sûrement. Avec plaisir, madame. Elle est naïve. Oui, elle est stupide. Si tu veux, madame. Pourquoi pas. Bah tu peux le dire en fait. Moi aussi, mais non. Alors madame, on va discuter un petit peu de cette famille, hein, les bâtons, hein, la mafia, la drogue. Bah c'est ce truc, hein, ce balai couteau en bambou, sans doute de très très bonne facture. On aime les procédures inutiles. Nous sommes des gangsters. Les gangsters, ah mais vous êtes... C'est bien.
les gangsters, les méchants. Elle est conne, elle est très très conne. Ouais. Ah bah je vous crois madame hein. Ah oh, là de nos jours c'est jeune. Alors du coup, est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'accident d'hier soir? Je l'ai déjà sorti. Oui. Oui madame. Laquelle? Ah oui, bah c'est son père. Ah bon? Ah mais sûrement, écoute, hein, je ne connais pas tous les talents de Monsieur Bright. Bah oui madame, écoutez, que voulez-vous, le patriarcat, tout ça. Bon, alors, oh la peinture, oui. Heures, ça se tient, ça se tient, oui. Ah bah non. Ah bon? Ah monsieur. Ok. Ah sûrement mon petit Apollo, sûrement. D'ailleurs, elle te juge, ce dragon. Il juge ta condition actuelle. Un gangster, des sbires. Ah, les sbires. À la communauté, je connais ça. Ah, c'est très bien de sa part. Installation publique. Hein? Ni la poubelle, la poubelle. Eh ben des mots pour pas grand chose. Bon, eh ben c'était fort intéressant. Nous allons passer juste à côté. Regardez comment c'est smooth. C'est qui? C'est qui madame? Tu es qui madame? Bonjour. Je sais pas. Alors bon. Il y a une police, il y a une poubelle. Oui, il y a la police, évidemment qu'il y a la police. Alors, des échecs, des traces de peinture. Waouh! Des pantoufles! Et un rétroviseur latéral. Putain, c'est de gauche. Sûrement quelqu'un. Vas-y, tout à fait. Waouh! Ah bah, un choc fort. T'es sérieuse? Mais à quoi tu sers? T'as un chapeau? Eh ben, on va prendre. On va prendre le rétroviseur. On va prendre le rétro. On va parler à monsieur le agent. Ouais, on a tourné un film. Lol. Non, tu crois? Tu penses qu'il t'a crié dessus? Ah, tu me dis carrément dégager? Mais ça va pas le faire. Mais ça va pas le faire, Luc. Hey, je suis avocat, alors tu me respectes. Sky. Mais c'est qu'elle a bien grandi, ma Sky, dis donc. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Emma Sky, elle est apparue deux fois dans la trilogie des Satanais. La première fois dans l'enquête exclusive à la version DS du premier opus. Et la seconde fois, j'ai oublié quand. J'ai complètement oublié, ouais. Comme quoi. Mais c'est bien grandi en plus. Attention, je vais essayer de le dire. Hydroxyacellulonodocétrace. Parfait. Mon compte triple, Scrabble.
Incroyable. Je suis sûr que c'est de l'acide. Ou alors c'est juste un truc au pif. Oui madame, bien madame, moi je voudrais rentrer quand même. S'il vous plaît. Comment est-ce qu'on va pouvoir mener notre enquête? Je ne sais pas. La gentille dame, eh ben... Eh madame, tu peux nous aider, s'il te plaît? Vas-y, qu'est-ce qui se passe-t-il? Dans le parc communal. Alors, son lumière, un spectacle. MDR. Oui, donc un meurtre. Étrange. Oh mon dieu, que s'est-il passé? D'accord, une affaire privée, évidemment. Mais une affaire privée, je veux quand même. Ah, ce n'est pas un cas égaré donc. Ce n'est pas un cas égaré. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux que quoi? Ou d'un détraqué. Ce qui... T'as raison, j'ai une tête à voler ça. Ah bon? Un point commun. Alors là, c'est parce qu'en fait, elle est grosse, lol, MDR. Trop lol. Voilà. Ah bah, un pétrin, bonjour madame, enfin re, bonjour même, oui madame. D'accord. Ok. Et mademoiselle. Qui c'est, agence à quoi? Qu'est-ce qu'elle a rajouté? Agence à tout faire. Mais elle a changé un truc. Waouh. D'accord. Waouh, alors le sens de la communication de cette fille m'impressionne. Eh ben, pourquoi elle aura besoin d'un coup de main? Regarde, c'est... Elle est chez des gangsters. Des gangsters de la mafia. Ça fait peur. Bon, du coup, là, j'ai plein d'affaires, je pense. Allons donc voir Monsieur Eldoun. Nous. C'est. Et bah c'est, voilà. Eldoun. Ah. Ouais, moi je remarque le bol. L'énorme bol. Et là à côté, c'est une clinique. Et une voiture de police. La police. T'es sûr? D'accord. Oui. Tout à fait. On va faire ça. Ah. Alors dis-moi. Non, on va discuter déjà. On va parler. Oui, tu joues super bien de l'harmonica par contre. Alors, il y a des fois où la musique va accélérer et revenir à normal. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors déjà, je vois un bol que je vais tenter de viser. Ouais, viser avec des flèches qui disaient. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, pas intéressant. On a un chien. Oh, on a le petit chien. C'est le petit chien. Ramel.
Nouille. Blague. Lol. Elle a pris son bol de nouilles matinale. Triste. Toi aussi, si tu manges des nouilles le matin, mets-le-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Pour le référencement. Alors, monsieur Doon, parle-moi un petit peu de ton commerce. Le commerce de nouilles. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise situation? Sûrement. Hypertension, salé. Qu'admons-nous sur les blagues? Ok, si tu le dis. Si tu le dis, hein. Alors, j'en connais des légendes, mais alors, des légendes du nouille. À part les mecs qui font eux-mêmes leur pâte. Enfin, leur noodle, hein, comme certains disent. D'ailleurs, je vous recommande d'aller chercher sur YouTube les mecs qui font les maîtres japonais qui font les nouilles. C'est super impressionnant. Tout à la main. Même la préparation de la pâte. Ça émerveille, ça impressionne. Ça donne envie. Ok. À l'aube, le matin. D'accord, donc c'était entre quand il est rentré et le matin. C'est une tranche horaire assez large, je dois avouer. Ah bah tous. Les nouilles, les stands, les bols. Et bon, ils ont aussi un bol. Par terre, hein. C'est bien pour te dire, attention, il y en reste un. Il reste un bol, prends le bol, prends le bol. Alors j'ai pas marqué un. Il y a une affiche. Et il y a un garage juste là, qu'est-ce que c'est? Quelle déchéance, oui la déchéance de ces jeunes. Vous êtes dégueulasse, arrêtez. Ça me fait penser à un épisode de Wakfu, ça, dans la dernière saison, la saison 3, qui est très Netflix. Voilà. On a vu sur la saison 3 de Wakfu, c'est Netflix sur 20. Voilà. Débrouillez-vous. Ok. Et bah du coup on va y aller parce que y a rien de bien intéressant. Ah bah regarde les garages. Impeccable. Oh, je vois un petit chat. Ça c'est cool. On va chercher les indices. Oui. Ok. Alors déjà examinons le petit chat. Il y a un Bajija. Super Meniaou. Jeu d'acteur sûrement. Mais tu vas arrêter. Arrêtez de vous moquer de ma capuche. Oh là là. Alors là par contre, il y a un truc. Alors on va voir ça de plus près. Ah oui, effectivement, il y a des trucs qui... Oh, oh là, oh. Oh, tu m'étonnes qu'il y a des trucs qui vont pas. Déjà, il y a ça. Un portable. Ouais. Ah bah vite. Prenons le téléphone portable. Il y a un truc là. C'est énorme. Je sais pas si c'est de l'eau ou autre chose. Je ne me souviens pas de cette affaire et c'est dommage. Et du coup j'ai... Voilà, ça c'est le tic. On s'amuse. LOL. Il y a quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une boule. Boule, 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 boule. C'est la cul... C'est quoi? Comme ça. Waouh. Une affaire résolue sur 3. On a mis que 40 minutes. Qu'est-ce que c'est que cette... Ne dis plus jamais cette phrase. Plus jamais. Qu'est-ce que c'est que cette culotte? C'est une culotte bouffante. Oh oui. Quoi? Né, quoi? Oui, genre là, tu vois. Ouais. Et pas simple, quoi. Québec ou où?
Je veux dire comment? Quoi? Je comprends. Une dimension extra parallèle ou une énorme poche intérieure? Sûrement. Ou alors je fais des vrais pouvoirs, ce qui là, mais ce qui là serait étrange. Wonder Bar. Wonder Bar, c'est comme Wonder Boy. Je trouve ça drôle. Ouais, d'ailleurs, à ce propos, tu auras peut-être pu en racheter un. Ou en refabriquer un. Parce qu'on a perdu du temps. Oui. Ah oui, on va la retrouver. Bah oui, ouais, là, ici. Ici, là, genre juste là. C'est un indice, et oui. Bah ouais. Bah je m'appelle pas Polo toujours. J'ai une pièce à conviction, et justement on l'a trouvé dans la poubelle. C'est incroyable ce rétroviseur. Alors oui, on peut vérifier. Par contre, si je vérifie, je pense que ça va ralentir à mort l'émulateur. Donc du coup, là, prends ça en ta gueule, prends le rétroviseur dans ta face. Regarde mon indice, petite basse. Oh mon dieu, il correspond parfaitement, ce sont les mêmes fils. Waouh. Voilà, alors là, vous nous remettez un truc que j'ai vu il y a 10 minutes, je m'en souviens, merci. Voilà, bon, et bah, c'est... Non, deux affaires, même. La voiture qui a renversé Monsieur Wright. Yeah. Trop bien. Oui. Quoi? Faut qu'on retourne voir ton père. Vraiment. Bon, et bah notez la blague d'immatriculation. Non, je veux pas. Non, je ne veux pas. Bah la maison d'Ed Boon. Qui est encore là, qui attend. Il attend. Vite fait, retourner au domaine. Quand même. Bon, madame est toujours là. Toujours la poste de police. Non, bah on va retourner voir Monsieur Wright. Ah, il faut passer à l'agence à tout faire. Faux. Allez à la clinique. Voilà, t'es bon. Trigger. Il y a énormément de DVD quand même. Oh. Hein, hein. Oui. Non plus tard alors. On va revenir à l'agence et puis on va discuter un peu quand même. Alors voilà. Bon là on va aller vite. Pourquoi j'ai fait ça? Bah tu l'as retrouvé. Ok. Je vais travailler gratuitement. Ouais, je vais travailler gratuitement. Juste pour ta gueule. Tu m'énerves beaucoup. Elle a sorti mon badge. Lol. Waouh. Je suis impressionné. Alors il y a un truc que j'ai peut-être pas fait. Enfin que j'ai... C'est examiner ça déjà. Genre déjà ce truc. C'est beau là, un rêve. Et là, il y a un chapeau.
Je vois pas pourquoi, hein, c'est le même. D'accord. Bon, ça veut dire que là, je suis bloqué. Pourquoi je suis bloqué? Pourquoi je suis bloqué? Qu'est-ce que j'ai pour faire? Ah, je suis bloqué. Ah bah j'ai peut-être pas... Oui, j'ai peut-être pas fait ça. On va examiner. La voiture de police. Le fils, carrément. Oh, mais comment tu juges les gens? Tu me dégoûtes. Mais je veux... Mais... Ah mais c'est dégueulasse en fait. C'est ultra dégueulasse. Bah... Toi ouais en fait. C'est peut-être pas... Peut-être parce que tu es un peu jeune. Genre un tout petit peu. Ouais. Sûrement. Je... Peut-être. Bon bah du coup on va revoir Aldoun. Donc c'était ça. C'est un sujet de discussion à débloquer. Comme quoi. Je suis toujours un peu... C'est ça, il faut deviner. À chaque fois. Ah bon. Ah ouais. Ah ouais, c'est des gens... C'est des gens... Des gens... pas très très sympa. Est-ce que c'est bon? Ça y est, j'ai débloqué tout ce qu'il faut. Et ben voilà. C'était ça. C'était ça. J'avais oublié un sujet de discussion. Oui, ça va. Alors, on a une bonne nouvelle. Il a que 33 ans, ce pauvre gamin. Compétent, ouais. Alors déjà, on a trouvé la plaque d'immatriculation. Déjà le bilan actuel. Mais je m'appelle pas Polo Benoît. C'est pas très gentil, tu dis plus jamais ça devant moi. Jamais je dis ça à quelqu'un. Oui. Tout à fait. Ah bah sûrement, je pense. Ah mais la clinique, El Famoso clinique. Ah oui d'accord. La famille Kentucky qui vient sans doute des États-Unis de l'Amérique. Ah, ah ça explique des choses. Ça explique sûrement pas mal de choses. Je suis même certain. Ah oui, pour le parc communal, par contre, c'est pas ça un truc, mais on sait pas. On sait pas. Oui, on sait, un meurtre. Oh, mais de rien, mon petit. Eh ben, si tu veux, écoute. T'es plus avocat. On a compris, tais-toi, j'arrête de te parler. Ah bah oui, évidemment. Oh là, ce radin.
ce ultra rayon. Eh ben notre plan d'attaque, j'ai envie de te dire qu'il est simple. Ah non, je suis obligé de revenir, Akir. Effectivement, je suis obligé de revenir. Parce que c'est le chemin. Bonjour, vous êtes la madame qu'on a vue tout à l'heure. Que oui, que veux-tu? Quoi? Qui? Où? Oui. Ah, tu as une roquette. Bah dis-moi la roquette. Non, ça ira plus vite, en fait. Oui. Ah. Oh, j'ai un client. Oh, dis-moi que je te défends quelqu'un, s'il te plaît. Je veux de l'argent. Chut, arrête de parler, Verity, s'il te plaît. C'est... Oui. Ah. C'est ballot, quelque part. Un meurtre peu commun, oui, je sais. Mais d'avant, on va parler un peu de toi. Mm-hmm. C'est un gangster. Ah mais sûrement, c'est un petit peu comme les Yakuza à notre époque actuelle. Dangereux, mais bienveillant. Ça m'étonne là même pas du tout. Oui, donc les meurtres. Vas-y, dis-moi tout. Et là, parle-moi. Oui, jusque là, ça se tient. Déjà un meurtre c'est inhabituel, tout le temps, à chaque fois. Ton fiancé, vas-y, parle-moi, dis-moi ta vie, raconte-moi ta vie entière. Willy, qui t'es qui? Déjà quand tu t'appelles Willy, c'est pas mon signe. Ah, oh, j'ai envie de le frapper. Ah, oh, j'ai une... Ah, je suis... Alors je suis entre le manque de respect et l'envie de frapper. Parce que waouh. C'est bien vérité, tu as accompli quelque chose d'incroyable dans ta vie. Il y a de l'argent. Une lettre rogatoire. Ah, merci madame, c'est très important une lettre rogatoire. Et alors déjà, je vais analyser un petit peu ce plein de trucs. Alors, je vais analyser sur rétroviseur. C'est l'instant, analysons. Alors, est-ce que ça rame du cul? Non, absolument pas. Alors, oui. Examinons. C'est choqué. Alors déjà on peut voir une énorme trace de peinture. Donc en effet, ça a percuté les pots de peinture. Ensuite le bol. Bol de monsieur Nadal. Il y a quelque chose au fond. Monsieur Sally. C'est pas très gentil. Vraiment pas très gentil. Ok, et derrière. C'est la même chose. Ah non. C'est tout personnel, mais c'est la même chose. Oula. C'est sans doute une peinture fraîche. Ou une peinture de bas de gamme. Ok. Téléphone portable. Alors, téléphone éteint. Là, il y a un truc, un porte-clé. Que je vais essayer de viser sans zoomer parce que je suis fort. Alors, l'heure. Il est marqué 9h30. Et je crois que c'est cassé.
c'est un peu débile. Un tout petit peu. Ah bah sûrement, sûrement pas. Oui. C'est bien, tu... C'est bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Appareil photo, et puis c'est tout. C'est tout. Alors, l'épisode de vérité que l'on va regarder dans l'MDR. Des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Des cœurs. Ouais, y'a un trou. Oui, bon. Attendez, y'a un truc. Là, y'a un nœud papillon. Rose. Et les cœurs. Ici, c'est moche, les cœurs. Vas-y, dis-moi tout. J'ai bien une idée, mais elle est déplacée. Lettre rogatoire, donc, qui contient sûrement un truc que je ne peux pas lire. Je ne peux pas lire. Ok. Et dessus. Ah. 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 On va avoir un petit problème. Ouais. C'est qui? Ouais, c'est... Ouais, je pense que j'aurais peut-être pu la faire elle-même. Bon. On a regardé à peu près tout, donc ça va. Alors, déplaçons-nous. Déplaçons-nous donc. Alors, attendez. Au centre de détention. Parce que faut que j'aille au centre de détention. Alors, centre de détention. Waouh. C'est le paradis, avocat, regarde, c'est trop bizarre en ce moment. C'est génial. Regardez comment c'est cool. MDR. Alors, nous sommes des avocats. Ou le Willy. Le petit Willy. N'est-ce pas? Ah bah les gars. Ouais, très bien. Non mais... Moi je voulais le voir, je voulais parler. Bon, bah, j'ai rien à faire. Alors, je remarque quand même que... Sur cet écran... De détention, il y a, après ce n'est que mon avis, il y a une amélioration qui a été faite sur certains éléments, notamment au niveau de la caméra, des lumières et du policier, et c'est tant mieux. Bah du coup on va retourner à l'agence et puis on va aller au, bah on va retourner au parc. Ah, quelqu'un est arrivé. Il y a une superbe moto, très super moto d'ailleurs, j'aime. Mais je... Ah, tu me prends pour le gamin. Merde. Je meurs. Rogatoire. Oui, alors ne tenez pas compte de ce qui est marqué. Vraiment. Non, mais c'est... Je vous ai dit de pas regarder. Pourquoi vous m'écoutez pas? Pourquoi les gens me parlent? Mais bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Oh, il est beau. Je ne sais pas. Il y a un début à tout, mon petit. Et encore. Oh putain, oui! La ressemblance est frappante. Mmh. Ah, merci beaucoup, monsieur. C'est très gentil de votre part. Ah, oh, c'est gentil. C'est gentil. Cet homme est gentil. Par contre, moi, non. Moi, je... Ah, merci, monsieur. Oh, c'est... oh, cette drague. Cette drague des années 2000. Ouais, j'aime ça, j'aime les gens qui draguent comme ça. Alors ne faites pas ça les enfants, mais vous voyez bien. Alors. Non, c'est pas un cadavre, c'est un... C'est un superbe mannequin de superbe qualité. Ah mais t'es encore là toi, mais tu m'énerves. Alors tu verras, on a rencontré un mec trop classe. Il nous a dit viens, allez vas-y. Je te fais passer l'agent. Tranquille.
Mais je veux juste enquêter. Ah, ouais, une seconde. D'accord, vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est quoi? Qu'est-ce qui... Oui. D'accord. Waouh! Incroyable! Une demi-heure pour faire une analyse. Oh, j'ai oublié le mot scientifique. Oh, j'ai oublié le mot scientifique, je me déteste. Alors que j'ai regardé les enquêtes impossibles de Pierre Reimer. Oh, je suis dégoûté. Emma Sky, ah, la fameuse Emma Sky. Bah, elle a l'air d'être blasée de David. Toujours. On va, on peut discuter s'il vous plaît, monsieur, madame. Hein? Quoi? Ah. Ouais. D'accord. Waouh. Bon, je pense que ça veut dire tu n'auras rien du tout de ma part. Indice subtil, hein. Indice subtil, ancien avocat. Moi, je voulais quand même examiner la scène de crime. Je vois déjà cette poubelle. Mais je te... Tu m'emmerdes. Scientifiquement, mais non. Oui, on est venu chercher le... cette énorme chose, surtout. Mais tu m'ennuies. Intéressant de Eldon, oui. C'est écrit en gros. En énorme. Oui. Il y a aussi des bâches, là. Très belles bâches. Mais tu vas venir. Ouais, bon, d'accord. Ok. Bon. Bon, bah, je ne peux plus rien faire, donc on va se déplacer. Alors, déjà, on va voir Monsieur Eldoun. De son nom. Ah, Madame Kitaki n'est plus là. Sans doute est-elle rentrée. Maison d'Eldoun. On va aller voir Monsieur Eldoun. Pour lui dire, on a retrouvé ton stand, mec. Viens. Il est. Pas là. Ah bah, l'autre jour. Zut flux. Bon, bah tant pis. Et bah du coup, nous allons retourner à l'agence. Nous allons retourner à la clinique. Parce que notre ami Wright pourra nous aider. Indice subtil, hein, Emma Sky, Phoenix Wright, c'est toute une histoire. C'est d'ailleurs grâce à elle que donc dans cet épisode inédit du premier opus, nous avons une feature ce qui nous permet de relever des empreintes digitales. Ouah, comment t'es drôle, mon petit Phoenix. Intérieurement, je suis mort de lol. Alors, justement, on nous a demandé de défendre un fils de mafieux. C'est ballot. Alors, tu sais que ça peut servir et ça ne serait pas étonnant. Elle est revenue. Subtilité, quand tu connais pas le jeu. En fait, je pense que tu peux faire tout le jeu sans avoir joué aux trois autres jeux. Ce qui est, quelque part, une bonne chose. Elle la connaît.
Bah oui. Le prince resplendissant sur sa moto. Prince. Ah, le prince mystérieux. Cet homme. Ah. Oui. Le frère cadet. Son frère. Il avait un frère. Oh mon Dieu, révélation. Conrad. Oui, donc il n'est pas du tout inspecteur en fait. Alors Conrad avec un cache, c'est pas ouf, je trouve. Qu'est-ce que j'en sais? Ah, on va se revoir, wink wink, clin d'œil, genre procureur. Exactement. T'as de la poudre, genre comme ça on scratch chez toi, c'est dégueulasse. Ok. Je te fais confiance, mec. C'est pas que j'ai envie d'avoir des problèmes avec cette personne, mais j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec cette personne. Donc examiner, donc l'eau de forme qui est juste au-dessus là. Alors on y va. Eau de forme. Allons-y. Oh, c'est de la drepou. Ok. Cette idée géniale que t'as eue. Franchement, c'est génial. C'est de la drepou. Oui. Allons parler à l'inspectrice. Allons-y. Domaine. Et c'est le parc communal. Et on va lui présenter une preuve à l'eau timbrée. Enfin, Emma Sky. Pan. Mais c'est... alors tu verras, j'ai trouvé sous un chapeau haut de forme. C'est bien. Oui, tout à fait. Ça allait faire un... Et t'as dû taire. Ça fait un choc à chaque fois. Oui, il a une fille. C'est un choc, hein. Bah évidemment. Alors, je suis pas vraiment apprenti en fait. Ah, bizarrement, tu changes tout de suite de comportement. Ok. Bah, c'est une bonne chose. Je me souviens plus de si elle lui avait laissé ça. Ok. Si oui, on remettra la petite poudre. On les rendra toutes belles. Alors, du coup. Je vais enfin pouvoir non seulement parler avec toi, discuter avec toi, toi à moi. Enfin, de vous à moi, de toi à moi, de vous à de toi à vous. Alors, le corps. Ah, ok, effectivement, ce n'est pas commode. Ok. Très bien. Oh, tu sais, un pistolet. Si t'as les bonnes relations. Pas une mérite. Bah, dis donc. Ah, merci pour l'apport. Ça, c'est pas ce que je voulais. Parce que tu réfléchis trop. Ah, là, j'ai jamais le temps de jouer. Ça pèle, hein, mon jeu. Qu'est-ce que c'était vraiment utile de... C'est vraiment utile, ça, par contre. C'est le propriétaire. C'est pas très gentil de me traiter de mob. Enflure. Yeah, j'ai le stand à nouilles en 3D. Si je peux le vérifier, c'est qu'il est en 3D. Médecin. Waouh. Un lien. Alors parle-moi un peu de toi, Emma Sky. Qui es-tu? Ok.
En Angleterre. Ah oui, quand même. C'est con la vie. Hein. On n'a jamais ce qu'on demande à chaque fois. Mais. Des faveurs. Ouais, wink wink, clin d'œil. Je sais pas. Parce que. Oui, le problème de sa sœur. Bon, j'ai complètement oublié le prénom. Ah bah, si tu savais. Alors, est-ce que tu as des infos sur l'accusé? Hein? Ce serait sympa quand même de partager les infos. Willy, c'est elle, famosa Willy. Ah bon? Eh ben on ira quand on aura fini ici. Oui, non tu crois? Est-ce que ce truc que j'ai sur moi, ce badge, c'est... Non, c'est une décoration pour toi peut-être. Parce que en effet je suis avocat, c'est incroyable ce qui se passe, hein, toutes ces coïncidences. Un témoin, tu me lances comme ça. Et c'est qui le témoin? Tu peux me dire qui c'est? Ah oui, tu as une révélation. Alors la victime, est-ce que tu veux en parler aussi de ce docteur Meratkis? Ça m'intéresse. Oui. Tu m'apprends des choses que je sais déjà. Alors, pas dans la clinique, mais vers la clinique, oui. Pour une raison liée. Hein, entre qui mais. On n'est pas encore sûr. On n'est pas du tout sûr encore de ça. Arrête de me poser des questions, merde. Bon, c'est bon, on a tout vu. Alors, on va pouvoir regarder déjà ce magnifique mannequin. Mannequin qui fait office de calabre. C'est pratique, une erreur. Sûrement. Ah, t'es comme ça, toi. Ah ouais. Non mais arrête de parler toi. Arrête de parler. Sûrement. Alors là je veux voir cette poubelle moi. C'est ça que je veux voir depuis tout à l'heure. Ah mon dieu, regardez, c'est une autre culotte. Et je comprends le point commun maintenant. Bah non, je m'en doute. Yeah, j'ai une culotte. Ouais, bah je la regarderai plus tard, cette culotte. Et alors ça, je sais pas ce que c'est. On dirait un couteau, oui, de loin. Un surin, ah carrément. Un surin pour suriner. Moi aussi je croyais. Une trace de main. Yeah. Oh putain, elle a rejoué. Je contrôle plus rien. Là je contrôle plus rien. Alors, ok. Alors. Je veux choisir. Bah, je veux choisir. Bah, celle-là en fait. Parce que j'ai pas le choix. Ouais! Alors là, il faut appliquer de la poudre et souffler. Alors, paf! On souffle! Oui, alors, il faut. Sur le micro DS, il faut souffler. Voilà, comme ça. Sauf que moi, hein, parce que sur cet simulateur incroyable, qui est Desmoon. Alors,
Je peux répartir de la poudre, hein. Attention, vous voyez, vous entendez le clic de la souris qui est magnifique à ce soir. Regardez, hop, on rétablit le clic, voilà. Sauf que moi, vous le voyez, je vous parle dans un micro, mais sauf qu'il n'est pas relié au truc de la DS. Sauf que si j'ai appliqué une touche pour ça, c'est une touche que j'ai mis spécialement là-dessus, qui est une touche qui en gros va faire comme, croire que vous soufflez. C'est pratique. Donc là, paf, on a une superbe empreinte. Yes! Trop bien, merci le commissariat. Alors, j'ai une empreinte. Ok. Alors, voyons voir. Ouais. Alors. Là, ça va. Alors, oh, j'ai une tête. Alors là, vous voyez, à chaque fois, donc, pour chaque personnage que j'aurai, comme pour l'épisode 5, vous connaissez la suite, j'aurai une fiche, une empreinte digitale. On peut vaguement déjà comparer certaines empreintes. Donc là, attends, je vais repartir sur ma tête, moi. Je vais pas repartir sur ma tête parce que je n'existe pas. Parfait. Donc on va repartir sur la vérité. Donc là, on voit. On pourrait croire que c'est ça là. On pourrait croire, mais je suis pas certain. Là, c'est un truc beaucoup trop ovale. Là aussi, c'est quelque chose de peu ovale. Là, on est sur un truc un peu normal. Là, on est sur quelque chose d'absolument débile. Alors là, encore plus débile. Là, ça... Alors là, vous voyez, ça pourrait. Même si je m'en doute un peu. Donc, on compare. Voilà, donc là, vous voyez, hop, blablabla, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et paf, 16. Donc là, on se dit, c'est donc à Willy. Incroyable, le pouvoir de la science. Non, le pouvoir des empreintes digitales. C'est naturel. Yes. Oui, arrête de m'appeler Polo. Donc j'ai un couteau. Parfait. Alors, j'ai essayé. On m'a dit fuck non. D'accord. Oui. De quoi ? Il y a très... Comment ça? Alors, vite, vite, vite. Alors oui, il faut faire tout le chemin. Genre tout le chemin. Faut retourner à la maison, faut retourner à l'agence, faut se déplacer. Faut aller au centre de détention. Et là, trigger. Voilà. On y va. Alors. Mais non, mais c'est pas possible. 3 minutes, easy. Père discute avec... Ok. Un prêtre. Ah, c'est mignon, cette naïveté. Ken Kroguin. Ok. Ouais. Ok. Très bien. Je jure. Monsieur, vous m'inspirez entre respect et rigolade. Ah mais je ne sais pas mon petit. Oui monsieur. Du moins selon la fiancée de Willy. Oui, j'ai vraiment doute. Oui monsieur. D'accord, si vous le dites. Oui, je... Oui, et tout à fait monsieur. C'est pas très gentil, monsieur. Sachez que je vais me défendre à la police, MDR. Oh, j'ai envie de te claquer. Oh là 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 là. Mais t'es un gamin. T'es complètement un gamin. Non. Non, alors toi, tu mens. Ouais, surtout pour... Pour certaines parties de ton corps, wink wink. Oh là 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 là, ce gamin pour y gâter. Mais je vous crois, je pense. Oui, monsieur. Bien, monsieur.
J'ai pas confiance, monsieur. On a progressé, alors on a retrouvé un stand, on a retrouvé deux culottes pour prélude et on a trouvé un meurtre et la voiture de celui qui a renversé ton père. Ça aurait pu être pire. Et en plus on a une quatrième affaire, à savoir avocat. Ah c'est déjà la fin. Du coup on est quoi sur 1 heure? Oui on est sur un peu plus de 1 heure. Hein. Ça va. Bon alors du coup cette affaire, et eh ben ce début d'affaire est très étrange. Très très étrange. On a plusieurs histoires qui se rencontrent. Donc du coup, c'est pour ça le boulevard des volte-face. Hein, ça se comprend. Mais là c'est plutôt bien amené. J'espère que l'histoire va faire en sorte que tout se relie, ce qui me semble est le cas. J'espère, mais ça va bien se relier. Et j'attends de voir surtout la phase de procès. Même si je pense que notre cher Willy nous ment. Parce que je le sens pas. Je me demande s'il veut vraiment faire de la tôle. En tout cas, merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. En espérant que ça vous ait plu. Si c'est le cas, tu peux mettre ton meilleur pouce bleu. Et me dire ce que toi tu as pensé. Et aussi, si tu manges des pâtes le matin, ça m'intéresse dans les commentaires. Vous trouverez aussi, si ça vous intéresse, les autres, les trois premiers jeux Phoenix Wright que j'ai mentionné parce qu'il y avait des autres personnages. Cependant, évitez la première partie parce que c'était fait à l'époque avec un micro extrêmement dégueulasse et une qualité inexistante. Et bien sûr, de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la suite de Phoenix Wright, enfin de Ace Attorney, Apollo Justice et les autres vidéos. Il y a un Discord dans la description, il y a un Twitter où je suis présent. Voilà. Merci à tous, bon jeu, et à la prochaine pour la suite de Ace Attorney Apollo Justice.